Mathieu, victoire, et qui plus est, avec le bonus, donc les deux objectifs de la soirée sont atteints. Il y avait qu'un objectif, c'était gagner le match. Donc voilà, c'est bien pour l'équipe, c'est bien dès que tu perds de repartir avec une victoire. Même si on était sur une bonne dynamique, forcément quand tu perds, ça te freine un peu. Donc voilà, c'est une satisfaction d'avoir gagné ce soir. Du caractère, tes joueurs ont montré une fois de plus qu'ils savaient dans l'adversité se retrouver, donc ils ont en seconde mi-temps clairement pris leur destin en main. Ouais, en seconde mi-temps, je pense qu'on a dominé, vraiment, outrageusement. Mais quand je vois qu'on arrive à la 80e avec un point d'écart, ouais, cher payé quoi, cher payé. Moi je trouvais qu'on n'a pas toujours été récompensé de cette domination. Et voilà, mais on a fait le dos rond et l'équipe elle a pris le match en main. Après, en première mi-temps, les conditions elles étaient terribles, climatiques. Et c'est difficile aussi quand tu vois que tu n'arrives pas à marquer, on est dans l'embut, retourné, on voit qu'on ne marque pas de points. Et ça, c'est embêtant, quoi. Ça fait perdre un peu la confiance. Donc voilà, mais la deuxième mi-temps, je pense qu'elle a été de bon niveau. Vous doutez après avoir pris l'essai à la 80e? Ah, si le mec il te dit qu'il doute pas avec un point d'écart, tu t'es jamais à l'abri d'une pénalité. Donc j'ai douté de la capacité qu'on avait, pas nous, mais à maîtriser les événements. Et je me suis dit encore, il va y avoir une pénalité, et puis chez nous. Voilà, après j'ai bien aimé l'équipe, elle m'a plu, parce que cette équipe elle a une âme. Et il ne faudra pas que ça, attention, mais c'est bien pour la confiance. Tu leur as dit à la mi-temps, parce que sur les phases de ruck, Tarbes a tout pourri, notamment en première période, ils font des contre-rucks énormes, ils vous grattent des ballons. Qu'est-ce que tu leur as dit à la mi-temps? Parce qu'au retour des vestiaires, on a senti un SCA beaucoup plus combatif sur ces phases-là. Ouais, les phases de ruck, ils nous avaient ciblé les rucks, certains rucks. On y est allé un peu tout seul, on s'est fait un peu renverser. Donc il va falloir qu'on y bosse là-dessus. Mais je leur ai demandé surtout de nettoyer fort. Voilà, quand tu nettoies fort quand même à ce jeu, bon, une fois ici s'est fait prendre, mais quand tu nettoies fort quand même, le mec il réfléchit. Après c'est leur jeu, on les connaît, on sait comment ils sont, donc voilà, ça fait partie aussi de ce national où des fois les équipes en face elles ralentissent les ballons ou elles te mettent en souffrance dans certains secteurs. Là c'est le cas, mais je trouve qu'on s'était bien rattrapé. Ouais. Maxime trouvait que les échauffourées entre guillemets qui avaient un premier mi-temps, ça avait pu resserrer le groupe et se dire voilà, on sait pourquoi on est là quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que c'est un peu un tournant, parce qu'on dormait un peu, je trouvais, on subissait, il y avait du vent, de la pluie, on laissait faire les événements, on laissait faire un ballon porté là de 10 mètres et tout. Je pense que ça a permis et j'ai trouvé une équipe solidaire. Voilà, il y a eu un rouge de chaque côté, mais j'ai trouvé l'équipe solidaire. Personne ne s'est sorti, au contraire, il y en a certains qui ont montré un peu la vivacité de leur action. À titre d'anecdote et peut-être à titre personnel aussi, est-ce que tu as souvent connu dans ta carrière des matchs à 0-0 à la mi-temps? Non, pas souvent, vraiment. Même joueur, entraîneur, 0-0, jamais comme ça. Je me suis dit, ça va être 9-3, un truc. Puis après, le temps s'est calmé et ça a été mieux. Donc, on est content. Maintenant, encore une fois, on n'a rien fait. Il reste un gros match déjà vendredi prochain. Une semaine courte. La semaine d'après, on reçoit Chambéry. Il y aura une pause. On est dans le money time et il reste 3 matchs. C'est bien d'avoir bien rebondi après Valence. Vous êtes qualifié ce soir, premier objectif atteint. Oui, puisque vous avez 16 points d'avance. Donc est-ce que maintenant vous allez chercher des places préférentielles dans cette qualif, comme nous l'a dit Benjamin Péo? Ouais, c'est bien. Alors merci. Merci de me le dire. Ouais, mais merci pour m'aider. Je trouve que c'est intéressant. C'était l'objectif qu'on m'a donné en tant qu'entraîneur, d'être qualifié dans les 6. L'objectif il est atteint ce soir et à 3 journées de la fin, c'est quand même un luxe aussi. Maintenant voilà, il va falloir finir de la meilleure place qu'on en peut et tout faire pour essayer de recevoir un barrage à la maison. Sur la dernière action, ils prennent le choix de la mêlée. C'est le joueur, le staff, vous aviez déjà vu ça sur des scénarios d'entraînement ou... Oui, c'est sûr, à l'entraînement on l'avait vu. Après c'est un secteur qui est quand même dominant chez nous. Et bon, j'ai fait assez de bons, je crois, pour qu'ils prennent la décision de ne pas la mêler. Et même pour eux, parce que j'ai envie que les avants ils se récompensent aussi, ils se payent. Et je sais que pour le 5 de devant, même les 8 de devant, c'est une belle chose de faire ça. Ça crée de la confiance, ça donne de l'énergie pour les matchs suivants. Mais ce secteur-là, tous les matchs sont remis en question, chaque mêlée s'est remis en question. Et c'est important d'être convaincu qu'on peut progresser encore, parce que tout n'est pas parfait quand même.
Coaching précoce ce soir, notamment, tu as fait rentrer de l'expérience, clairement. Ouais, c'est, on avait un gros banc. Mais l'équipe, elle avait besoin que ça bouge un peu. J'ai trouvé qu'on commençait un peu à s'agacer les uns les autres. Et comme les mecs, ils n'avaient pas vécu la première mi-temps, je sentais qu'il y avait besoin de bouger les choses. Donc, c'était important de faire bouger. Merci Mathieu.